Ouais, alors tu vois, Ellie, ça là, ouais, ça, ce sont des fleurs de pissenlit, quoi. Avec les feuilles, tu sais ce qu'on fait? On fait de la soupe. C'est incroyable, tiens, je t'en donne. Et ça là, tu sais ce que c'est, ça? C'est des tomates cerises. Alors, c'est pas des cerises, c'est des tomates, mais on appelle ça des tomates cerises. Peut-être parce que ça ressemble à des cerises, mais en fait c'est des tomates, tu vois, c'est top, hein. Oh, puis ça là, tu sais ce que c'est ça? C'est quoi? Ouais, c'est des feuilles séchées de laurier. Et quand on en met dans les préparations comme ça là, ça sert à aromatiser le plat, quoi. Oh, et ça là, tu sais ce que c'est ça? C'est de l'herbe, et tu sais à quoi ça sert? Ouais, ça sert à, en fait. Ça sert à rien l'herbe, en gros. Ça sert juste à nourrir les animaux, les vaches et les bovins, quoi. Ça sert à rien l'herbe. Ça va? Ouais, ça va. Oui, ça peut servir de barbe. Oui, Balai. vas-y. Alors, qu'est-ce que vous Balai. faites aujourd'hui? Tu veux te rapprocher un petit peu de la nature là? Tu donnes un cours Oui, de sciences naturelles? oui, aujourd'hui, c'est le bio qui On fait prime. le ménage. On fait le ménage avec des brins d'herbe, tu vois, c'est la naturalité à 100%. Le retour aux sources, quoi. La nature, rien que la nature, J'ai vu la l'herbe. main des magnifiques plantes Regarde, de Mamounette, ces tomates cerises Et de oui, notre qui jardin viennent du bio. jardin, elles sont magnifiques. Ouais, c'est bon que j'aime pas les tomates, sinon je les mangerais, tu vois. Voilà, Je vais mais en bon, c'est goûter la une. nature, quoi, le bio, Est-ce le que je peux en bio. goûter une? Ouais, tu peux, ouais. Qui vont dans des Non, fois. non, jamais, parce qu'il n'y a pas de pesticides, donc du coup, il y a peut-être des vers. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai envie de devenir vegan, ma mounette, tu vois. Bon, écoute, c'est bien le bio, la nature, Ouais. papounet, Éco-responsable, mais quoi. oui, c'est bien de se rapprocher de tout ça. Ouais, Mais moi, j'aime. je te propose d'ouvrir des Playmobil. Playmobil, ma mounette, mais attends, Playmobil, c'est en plastique, quoi. C'est pas bon pour la Terre, la planète. En même temps, Playmobil. Ouais, c'est pas mal, on s'en fout, Mamounette, vas-y, envoie les Playmobil. Ah, j'envoie le générique? Oui! Ouais, générique! Et nous revoici les petits copains, les petites copines! Ah bah, papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je sais pas qui c'est là. Je reviens du travail, là, j'ai rencontré un gars, il avait un drôle de chapeau, là, tout rayé de couleur, des cheveux noirs, là, qui pendaient. Il me fait, ouais, il m'a vendu des fleurs. Il m'en a mis dans la tête, j'ai rien compris. Bah écoute, moi je l'ai vu et il avait l'air hyper sympathique Ah, mais quand il a l'air même. sympa, mais un peu perché, je dirais. Regarde, c'est l'automne, les feuilles tombent. Mamounette, explique-nous pourquoi tu m'as dit de venir m'asseoir ici à côté d'Elie. Elie d'ailleurs qui a un balai en forme d'herbe. J'ai jamais vu Tout ça. à fait, oui. En fait, le mec aux cheveux noirs, il m'a donné ce balai. C'est le mec aux cheveux Le longs. mec aux cheveux noirs. Le mec aux cheveux noirs, aux cheveux longs, il m'a donné un balai. Bon, écoute, si on est ici aujourd'hui, c'est pour ouvrir des Playmobil sur le thème de la nature papounet. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais grâce au site Limango, on a pu faire une petite sélection de produits avec des prix assez attractifs, hein. Il y a pas mal de réductions sur ce site. C'est un site de vente privée où il y a un petit côté outlet où on a des produits pas chers, voilà, et on peut commander. C'est vrai. C'est hyper bien livré, hyper bien emballé, c'est nickel. Alors, Ellie voulait dire quelque chose, j'ai vu, elle avait le doigt. Regardez le temps comme il fait beau. Il fait trop beau, ma mounette dehors. Mais si vous voyez la lumière changer, c'est parce que le soleil se cache un petit peu, il joue avec les nuages. En fait, l'automne arrive, donc du coup, un coup il fait soleil, un coup il fait ombragé. Un coup il fait soleil, un coup il fait ombragé. Il fait Parfois froid. même il pleut. Ouais, mais il Parfois fait il fait froid. froid, parfois il fait chaud. Avant, quand ma mère venait me garder, en fait, pour m'amener à l'école, et ben en fait, il pleuvait, Oui. il refaisait jour, il pleuvait, il refaisait jour, il pleurait, il pleuvait. C'était pourtant pas avril. Mais c'est pas avril, c'est en mars qu'il y a des giboulées. Je suis complètement perdu, Mamounette. Bon. Il m'a fait manger des herbes, je sais plus où j'habite. Hein, Oui, qu'est-ce que c'était que je sais ces pas. herbes, dis J'ai mangé donc, des herbes, d'un bizarre. coup j'ai vu des couleurs partout, j'ai rien compris. Oh là là! Bon, bah, je veux bien goûter, moi! J'en ai encore? Ah, mais oui, t'as raison. Allez, je les enlève. T'en as un petit peu dans. Mais j'ai des fleurs! Si. Mais, j'en ai Voilà. encore? Voilà, non. C'est bon? C'est bon! Bon, Mamounette, on passe à ces Playmobil. Ah, j'ai une là. tomate, Mamounette. Donc, pour le site Limongo, on vous met le lien dans la barre Oui, il d'information, là. s'affiche. C'est super. Voilà. Voilà, donc, on a craqué sur des Playmobil, sur le thème de la nature. Regardez, Attends, c'est je un pose tout ça. petit jardinier qui cultive des fleurs. Ah, bah alors c'est une belle transition avec ça, alors, Mamounette. Bah oui. Alors, c'est le kit 90-82. C'est dans la collection City Life. Oh, j'ai ouvert correctement. Super, mon bébé. Bravo. Et du Il y coup, avait une ouverture facile, en fait. c'est un petit jardinier. Oh,
Oh, et tu sais, Mamounette, est-ce que tu connais ce roi qui avait des fleurs comme ça dans sa barbe? Non. Tu sais, il a la barbe fleurie. Non. Hein? Ben, je me rappelle plus non plus son nom. Ah, d'accord. Merci pour l'info. La barbe fleurie. D'accord. Ça me revient, c'est Charlemagne. Ah. Il n'avait pas la barbe fleurie, Charlemagne. En tout cas, il a inventé l'école. Hein, cas, je suis pas sûr du tout de l'info là que je suis en train de diffuser. Regardez sur Wikipédia ou sur des dictionnaires. Charlemagne, il semble que c'était le roi qui avait la barbe fleurie. C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces sachets? Des Playmo. Alors, on a une belle boîte, Mamounette, super, dans laquelle nous pouvons stocker vos... Oh, il y a monsieur, madame. Oh, monsieur, madame Playmobil, on a un fils, comment il l'appelle? Playmobil Bill. Bill, voilà, Bill. C'est Playmo, c'est son nom de famille, et Bill, c'est son prénom. C'est Playmo Bill. Ouais. Alors, Mamounette. En fait, peut-être qu'il l'a créé, lui, pour les appeler Bill. Peut-être. Bill. Bill, bah voilà. Playmo, Bill. C'est pas la blague qui traîne en longueur, pas du tout. Donc on a plusieurs sachets, Mamounette, comme d'habitude, dans les Playmobil. Regarde ce que je viens de voir dedans. Eh oui, il me semble qu'il y a un crayon Ikea. Petit tableau. Tu sais, Mamounette, chez Ikea, il y en a plein, des petits crayons comme ça. Moi, j'adore les prendre. Oui, tu as une addiction pour ces petits crayons. On en a partout dans la maison, les petits copains et les petites copines. Et je ne sais pas pourquoi, même quand il n'en a pas besoin, il est obligé d'en prendre un. Mais si, je lui dis, mais papounet, arrête. C'est pour bricoler, Mamounette, ça me sert à tracer. Ah, mais alors là, tu peux bricoler pendant des décennies, voilà. Je bricole jamais, en fait. Alors, j'ouvre les sachets. Bon, il voulait que je vous montre le petit jardinier, regardez-le. Oh, il a un petit tablier de travail avec une petite chouette dessus. Une petite chouette. Regardez, il a vraiment la coupe Playmobil là. J'aime bien, trop sympa. À l'ancienne. On a de moins en moins ces coupes sur les Playmobil. C'est trop sympa, trop cool. La petite chemise à carreaux. Le tablier, on peut bien sûr l'enlever. Voilà. Donc lui, il cultive. Hop. C'est vrai que Mamounette, il a un peu la coupe du gars là qu'on a croisé au début, ça, les cheveux noirs comme ça qui pendent un petit peu négligé. Bon, on peut pas dire que c'est négligé, c'est naturel. Ça faisait un petit peu Rasta, non? Rasta, il avait des dreads. Des dreads. Des petites dreads. Hein. Oui. J'aime bien les dreads, c'est sympa les dreads. Merci à toi. On n'a pas grand chose à monter, Mamounette, si ce n'est. Tout ça, et du coup, t'es pas bien, tu te dis, oh là là, je suis en stress. Moi qui ai dit que je bricolais, mais en fait, non, en fait, je suis en stress. Donc là, Mamounette, ça a l'air assez simple. Ouais, il y a quelques petits trucs. Tu sais quoi, Mamounette, ce que je te propose, c'est comment tout ça. Moi, quand je serai grande, je ferai bricoleur. Bah, c'est un beau métier, ça, bricoleur. Oui, et bah, c'est souvent qu'elle nous le dit, Ellie. L'autre fois, elle voulait être mécanicienne, c'est ça. On aurait dû l'appeler Bob. Bob le bricoleur. Regardez. Voilà, bah en fait Ellie elle sait faire. Bon les petits copains et copines, on monte tout ça et on se retrouve tout de suite après. Bob tout de suite. Bricoleur. Et nous revoici les petits copains et copines. Ça y est Mamounette, nous avons monté tous les Playmobil de ce set City Life. Alors ça s'appelle City Life, la vie à la ville, mais en fait c'est plutôt la vie à la campagne. Hein. Bah oui quand même, cultiver des fleurs, il y a même des énormes tournesols, là j'aperçois c'est plus dans les champs quand même. Ouais. Alors on explique vite fait ce qu'il y a dans ce set. Nous avons ici une petite ardoise, un petit tableau sur lequel on peut écrire grâce au petit crayon qu'on vous a montré précédemment. Nous avons monté donc cette petite charrette qui permet à notre cultivateur de trimballer toutes ces fleurs qu'il a cultivées. Regarde Mamounette, il roule, il est génial. Et ce qui est bien, c'est que ça, regardez, ça oriente les roues à l'avant. C'est super sympa du coup quand on le fait reculer. Ah, il suit la course, regardez. Et ça, c'est amovible Mamounette, on peut ouvrir, hop. Voilà, pour aller chercher les fleurs, tu vois. Alors à l'intérieur, il y avait quoi, Alors dedans, on a plusieurs petits pots. Alors regarde, il y a vraiment énormément de sortes de pots. Hein. Alors regardez, là, les fleurs sont coupées, c'est-à-dire qu'elles sont individuelles. Regardez, voilà. Donc là, elle en a mis plein de sortes différentes. Regarde, Mamounette, on a un petit pot carré. Un petit pot, trop mini. On a un seau violet. Un seau avec également des roses. Voilà, parce qu'il faut les laisser tremper. Hein. Les fleurs, elles ont besoin d'eau. Un petit pot de fleurs, regardez, trop mignon. Un vase tout rose. Oh ben là, il a un vase dans le jardin, lui. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, il faut les mettre dans l'eau, ces fleurs. Des fleurs blanches. On a un seau vert avec, j'ai l'impression, un bouquet déjà fait, regardez. Hop, trop bien, ok. On a un vase en or pour des roses. Ok, trop sympa. On a un seau gris. D'accord, pareil, avec des roses rouges, celle-ci est rose de l'amour. Mamounette, est-ce que tu as vu Est-ce que tu l'as vu celui-là? Le bleu. Je suis pas sûre. Non,
Non, pas vu le bleu, j'ai vu le rose, mais on a le même en bleu. Regardez, sympa aussi. Ok. On a un panier de fleurs coupées qui n'ont pas été encore mises en bouquet. D'accord. Un petit panier en osier comme ceci qui est super bien fait. Regardez, voilà. Plein plein de fleurs. Sympa. Et alors on a deux tournesols, Mamounette. Alors là je te les montre, ils sont magnifiques. Regarde. Ils sont dans des pots de différentes couleurs, un jaune, un bleu. Et alors tu sais quoi? Elles ont une particularité, ces fleurs. Regardez. Je sais pas, mais c'est super bien fait. Et c'est reproduit sur Playmobil. Alors Ellie va vous montrer, regardez. Qu'est-ce qui se passe? La tête est amovible. Regardez. Hop, on peut mettre en haut, on peut mettre en bas, on peut mettre sur le côté, hop, ou même de l'autre côté. Ou on peut l'arracher. Ou on peut l'arracher. Bah oui, Papounet, parce que ça s'appelle un tournesol et c'est grâce à ça. Tu veux nous expliquer? Allez, je vous explique, les petits copains et copines. Savez-vous pourquoi ça s'appelle un tournesol? Alors, dans tournesol, il y a tourne et sol. Sol, c'est le soleil et tourne, se tourner. En fait, les têtes de pissenlit se tournent. Non, c'est pas du pissenlit, Papounet, c'est du tournesol, on vient de dire. Oui, je me suis un peu vautré. Donc, les têtes, donc les fleurs de tournesol sont toujours orientés vers le soleil. Ce qui fait que si le soleil est là, la tête du tournesol, j'allais encore dire pissenlit, oui, je sais pas pourquoi, la tête du tournesol, elle va regarder le soleil. Et ça va suivre la course du soleil. Donc le soleil, il va faire comme ça. Voilà, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc tout le long de la journée, en fait, il est à différentes positions vers le ciel. Et bien là, fleur du tournesol va suivre le soleil tout au long de la journée. Tu fais bien la fleur du tournesol. Oui. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe, Mamounette, quand il n'y a plus de soleil? Elle baisse la tête. Elle est comme ça, en fait. Elle fait « Ah, ah, il n'y a plus de soleil, j'ai plus quoi suivre !» Non, elle ne fait pas du tout ça. Elle baisse la tête. Elle fait « Bon, bah, je me couche. » Et elle dort. Donc, en fait, Playmobil a reproduit la fleur à l'identique de la nature. Oui, enfin, l'identique en plastique quand même. Regardez, voilà, c'est orientable, on peut la tourner. C'est super bien fait. C'est une reproduction, ça ne peut pas être en herbe, sinon ça fanerait dès qu'on l'achète. Ben oui, tout à fait. Donc, on a également donc, le petit jardinier qu'on avait vu au tout début avec un petit arrosoir orange qui est caché. Voilà, petit arrosoir, un normal, il faut bien les arroser, elles ont besoin d'eau et de soleil. Ah, Ellie veut nous poser une question. Elle trépigne. Alors, on répète par rapport au début. Ah, bloqué. Oh, Evindelia là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous fais la météo? C'est une bonne idée. Bon, c'est bien beau d'avoir coupé toutes ces fleurs, de les cultiver, mais ce qui est bien, c'est de les vendre, bien sûr, mon amour. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est la collection également City Life. Attends, mon bébé. C'est le kit 56-39. Et là, c'est le fleuriste. Donc le fleuriste, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a cultivé les fleurs, qu'on les a coupées, qu'on les a mis en bouquet, bon, on les vend, on les donne. Ouais, voilà. C'est bien d'en faire profiter tout le monde. Bah oui. Bon bah allez, vas-y ma puce, ouvre vite, moi pendant ce temps, je remets comme il faut. Pour donner les amoureux à leur femme. Ah bah oui, le 14 septembre, pour que les amoureux puissent te donner à leur femme. Le 14 février, Papounet. J'ai dit quoi? En septembre. J'ai dit 14 septembre. Mais si tu veux m'offrir des fleurs pour le 14 septembre et le 14 février, ça me va. C'est le 50-59. 50-59, tu peux voir? Je pense que le monsieur du début, là, il t'a vraiment donné des herbes bizarres. Je sais pas ce qu'il m'a donné, mais alors ça me met dans des états. J'ai dit 14 septembre. Je suis fatiguée, Mamounette, je suis fatiguée. Alors regarde ma plus jolie tête. Ah, ça y est. Allez, vas-y, sors-nous tout. Regarde que je... Faites après. Alors, attention, ça va aller vite. Attends. Oh là là, ça y est. Alors, effectivement, on a une boutique. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice? Bon, on va faire ça. Donc, on a la petite boutique, on a encore des fleurs. Essaye d'ouvrir les pattes. Il y a une notice, la coquille, elle fait des blagues comme son père. Avec des fleurs. Donc, on a effectivement, je dirais, la boutique. Plus de 20 clients, on a plein de choses. Comme d'habitude, Mamounette, qu'est-ce qu'on fait? On va tout monter et on vous montre ça juste après. A tout de suite. Et nous revoici les petits copains et copines, regardez! Ça y est, la boutique de fleurs est montée! C'est pas merveilleux, c'est plein de couleurs, c'est plein de pétales, c'est plein de feuilles, c'est plein de nature, regardez, voici la boutique. Donc on a ici des petits oiseaux, on a des fleurs, on a la vendeuse qui a son sécateur et son petit arrosoir, on a tout un tas de sortes de fleurs, on en a dans des pots, on en a dans des vases, on en a qui sont coupées, on a même une potentielle acheteuse. Tout à fait! Voilà, et là bah, nous avons notre petit cultivateur qui va vendre ses fleurs. Oh, c'est trop beau. Alors comment elle s'appelle cette vendeuse là? C'est la boutique de... Fleurio. Tout à l'heure Ellie elle m'a dit c'est
Flora, mais en fait Flora. C'est presque ça, c'est Flora. C'est Flora, comme c'est la Wings. Prénom, en fait. Flora. Comme dans les Wings, tu t'en souviens? Ah oui, il y avait Flora dans les Wings, tout je me souviens. Flora. Et alors elle est équipée, elle a un petit ordinateur également sur son comptoir, là, c'est trop mignon. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut tout refermer, oui. Ça fait une petite valise. Regardez, hop, hop, alors bien sûr, faut tout enlever, hein. Oui, parce que là, oh là là, hop, un brunet. J'ai tout pété les prix, les trucs, parce qu'on a des petites pancartes, regardez. C'est trop mignon, ouais, c'est trop sympa, regardez, les roses sont à temps, les... qu'est-ce que c'est en dessous? Les roses sont à temps? Sont à temps! Elles sont à temps, elles sont pas tontons alors, si elles sont à temps, bah c'est bien, on les applaudit, elles ont des nièces, des neveux. Tu te moques de moi! Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout tombé par terre! Et alors, dans un panier, là, juste devant Ellie, là, ici, il y a plein de bouquets, ouais. Voilà, oh là là, alors c'est non, bien. C'est difficile à attraper. Regardez, il y a des plein lys, de bouquets différents. Des tulipes, j'ai l'impression, aussi. C'est chouette, hein? Bon, c'est bah écoute, joli. C'est bien. En plus, elle a le producteur qui est juste à côté. Ouais, du coup, attend. C'est un circuit court. C'est ça très bien. Il faut les privilégier. Regarde. Les petits oiseaux. Ah, il y en a un qui s'est cassé la pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, regardez quand elle force, Ellie. Vas-y, force. Eh ben, elle fait pareil aux toilettes. Ouais, moi, je fais pareil. Tu veux que je t'aide? Allez, fais voir, je vais t'aider. En fait, l'ordinateur, ouais. Il est cassé, regardez. Oh, l'ordinateur, il est, pas cassé. Il est pété. Il non. S'est démonté. Il se démonte dans Playmobil. Alors, je vais le remettre. Moi, je n'ai pas besoin de forcer parce que je suis très très fort. Non, en fait, c'est facile. Tac, voilà, permis. Alors, regarde ma mounette, c'est bien parce que l'écran est amovible également. Alors, toi, tu aimes bien les trucs amovibles. J'aime bien tout ce qui est amovible. Oui, j'aime pas ce mot, moi. C'est vrai, t'aimes pas? Non. Mais c'est notre voisin, il s'appelle Movible. Donc, ça, c'est amovible. D'accord, ok. Ok. Jean Movible. Jeu de mots. Bon ben voilà ma mounette, c'est quand même très sympa. Bon ma mounette, je trouve ça super sympa, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, l'univers est sympa, puis nous on aime bien les fleurs, on adore les jardineries, on aime bien y aller faire un tour et tout. Puis on est très campagne. Oui, par contre, moi j'ai pas la main verte du tout, hein. Ce que vous voyez derrière c'est toutes des choses où on n'a pas besoin d'arroser. Ma mounette elle fait tout crever. Et régulièrement je les change parce que les pauvres bichettes, ben, elles m'aiment pas. Bah, moi je les aime pourtant, mais elles peuvent pas me saquer. Ce qu'il y a, en fait, ce qu'il faut que je t'explique, c'est que parfois il faut les arroser en fait. Non, mais je le fais. Alors des fois je le fais trop, alors après ça pourrit. Oui, les cactus pourrissent. Donc en fait, et pourtant je les oublie. Hein. Moi ça je peux le faire, oublier les fleurs, il n'y a pas de problème. Alors que moi, tout ce que je plante, ça pousse. Ouais, bon. Eh oui, mamounette. Oui, on va dire ça. J'ai les mains vertes. Bon, bah super. Super sympa, on a des fleurs pour jusqu'à la fin de l'année, là, maintenant. Ouais. Ellie est partie dans ses histoires parce que Playmobil en avant les... histoires. Allez, les petits commentaires, copines, likez, partagez, commentez. Soyez sages, surtout, abonnez-vous. Et puis, bah, à très bientôt. Moi, j'ai envie qu'on se laisse sur les tournesols qui tournent la tête toujours au soleil. Regarde. Tu es le soleil de leur vie. Tu es le soleil de ma vie. Non, en fait, elle tourne. Je savais pas quoi dire. C'est une belle chanson. Regardez, elles tournent leur tête vers le soleil. C'est une chameau. Allez, on se laisse les petits copains, copines. Oh, les Playmobil. Oh, c'est trop cool. Oh, des Playmobil fleurs.